Salut, zami mouen. C'est rubrique Paola qui publie sous chaîne YouTube Ma Bible, mon trésor qui rentre la caille. Principal objectif rubrique ça, c'est pour capable motiver pour chercher gagner bon gens connaissance qui basé sur la parole de Dieu pour capable vivre plus bien. Jodia, dans numéro 898, n'a continué identifier pour même les moyens utilisés par Satan le diable dans sa guerre contre le chrétien. Parmi ces moyens, nous t'ai déjà identifié pour nous-mêmes la déception, le découragement, le désespoir, le doute, l'incrédulité, la duplicité, la malhonnêteté, la séduction, la paresse, le report et la discorde. Zami mwen ap rappelé ou tout bon vrai Satan est en guerre contre vous. Et dans ce sens, vous avez deux bagailles pour faire. Premièrement, mettez toute confiance dans la victoire que Christ a remportée pour vous-même à la croix sur Satan le diable. Et deuxièmement, suivez toutes les directives du Saint-Esprit et de la parole de Dieu pour capable non seulement résister contre l'adversaire, Satan le diable, mais aussi manifester et expérimenter votre victoire dans cette grande bataille. Parmi quelques autres moyens Satan utilisait dans sa guerre contre le chrétien, il y a la souillure. Le Seigneur, en tant que divin potier, n'a pas décidé simplement de fabriquer des vases avec les chrétiens, mais il veut surtout des vases de qualité, des vases d'honneur, des vases propres à toute bonne œuvre, des vases utiles au ministère et à la victoire sur Satan le diable. Seigneur a besoin des vases qui propres, c'est-à-dire des vases lavés de toute souillure physique, spirituelle et morale. Yon chrétien qui d'accord était dans les souillures du monde, malgré compétence li, malgré énergie li, malgré expérience li, li pas capable de proclamer que li se yon champion dans bataille spirituelle contre ennemi. La souillure spirituelle est le résultat de la désobéissance délibérée à la parole de Dieu. Et dans ce sens, la Bible exhorte les chrétiens en 1 Corinthiens 3, verset 16 et verset 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. N'a pas répété lisant mi moins. Le chrétien doit vivre dans la pureté pour ne pas donner de l'avantage à Satan dans la guerre spirituelle. Youn nan lot zam Satan servi ensemble avec li, zami chrétien, c'est ça nous relè la diffamation. Chrétien cap critiquer, rabaisser, calomnier et blesser l'autre chrétien. Ça vle di, malheureusement, très souvent, des chrétiens qui quittent Satan servi ensemble avec yo pour faire diffamation sur l'autre monde. Dans Psaume 101, le verset 5, la parole de Dieu est très sévère en ce sens. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a des yeux arrogants et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Dans version créole là, première partie a dit comme ça, m'a disparaître tout le monde qui a parlé zami au mal en cachette. Zami moi, tout bon vrai. Il y a un pile bagay qui besoin changer dans comportement. Ou pas de jamblier, ou ces soldats dans l'armée Jésus. Le Seigneur a déjà fait de vous des champions. Et 2 Timothée 2, verset 4, exhortez-nous. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Exhortation ça a un double sens. Premièrement, nous devons suivre les directives de notre grand capitaine, le triomphateur, Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous devons vivre par lui et pour sa gloire. Deuxièmement, nous ne devons pas embarrasser nous avec bagay qui a servi de avantage à Satan l'ennemi nous dans la qualité bataille spirituelle nous y a.
Et c'est ça qui fait n'ap exhorté aux amis moins. Parce qu'on gen oreille pour tendre, tendez. Et tant pris, kembe contact ensemble avec nous pour notre plus prochain numéro, nous gen plus encore pour nous dire. Déjà, nous disons merci et à la prochaine.